Bonjour à tous, bienvenue dans ce cast des LCS. Comment ça va? LCS carrément. Bien trop chaud, et où Poppy là? Qui c'est qui va jouer Poppy? D'aller la ligue de Craft Star 3, t'as fait à l'envers, la tu as la Yoda gens. Bien sûr. Ça saison passe. Saison 96. Bien évidemment, la GSL. Africa TV, ouais, bien allez, sûr. T'es calé quasiment du CSK. Force rouge, force bleue, c'est bien ça. Exactement. Oh, ouais, allez. Non, mais je sais pas faire la vague, moi, en fait. Tu sais, moi, je me fous de la route. Je suis très flexible au niveau du. Tu vois, faut que tu sois toi-même liquide. Toi-même liquide. Pense à une bière. Pense à un truc pétillant comme ça. Sparkling Whittle. Ou alors pense à une grosse tasse de café. Ah. Parce qu'en tout cas, Yogo, tu vas en chier. Quoi? Jusqu'à 9h du mat. Encore pas aujourd'hui. Pas de soucis. Non, je vais pas en chier, je vais kiffer. Tu parce vas kiffer ton slip. Hier, franchement, honnêtement, les matchs, ils étaient horribles. Parce que ça arrive, parce que c'était son. Mais c'était prévu, genre sur le papier, t'arrives, tu vois, t'avais Hydra contre Ender, t'es là, merde, t'avais 3-0, après t'as Nip qui prend tout d'aller, 3-0, 3-0, 3. C'était pas terrible. Mais ce soir, ça va être cool parce que, bah, t'as Snow Tutor Mal, t'as. Y a Nercho qui va chier sur Sion, il y a l'autre match, voilà, peu contre les deux, et surtout, on a Az. Il y a Az qui va jouer contre Violette. Et ça va être trop excitant. Ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être de la bulle plus totale et on va bien kiffer. Ouais. J'avoue, le grand J'ai Az. J'ai hâte d'être à ce soir. Tu vois. Le grand Az qui va probablement envoyer du fat cheese. Donc voilà, restez dans le coin si vous voulez voir du haut level de StarCraft. Casté par les professionnels du gamisme. Oui. À la française, bien évidemment. Oui. En tout cas, le match excitant de la journée. Pour l'instant, c'est Dark contre Hero. Leurs deux premières rencontres ont été violentes. Ça arrive. Ça montre aussi la qualité de leur niveau de jeu que de se tromper leurs adversaires 2-0 en 15 minutes respectivement chacun. Voilà, l'un et l'autre parce que. Ouais, là, 2-0, à chaque fois, Hero sur la première game, enfin, ce premier match prend quand même sur les DT, le 3. Donc, il y a quand même pas mal de réussite. Et Dark, sur deux bending en mode. Alors qu'il était derrière, hein, il était clairement fait brain. Et c'est là où tu vois vraiment que les gros joueurs, ils arrivent à retourner une situation perdue et ils font le move, ils font le bet. Ils do the extra mile. Et au final, ça passe. Alors que c'était pas censé se passer comme ça. Donc voilà, deux énormes brutes, hein, deux champions que vous avez là. Ça pourrait être limite le match là que vous allez voir. Ça pourrait être la finale de la GSL. Oh oui, ça pourrait clairement l'être cette finale de la GSL. Puisque eux sont des finalistes, sont des champions de StarCraft 2. Le plus récent étant bien sûr le bon Dark, le gars, l'un des rares champions en fait sur les GSL. Puisque les tournois cette année sont moins nombreux, mais en fait sont plus longs. Voilà, et ce qui nous fait au final des tournois beaucoup plus intenses parce qu'au lieu de faire allez vite on fait les rounds, faut que ça enchaîne, on dégage, les joueurs ont plus de temps de préparer, il y a plus de rounds, il y a un gros coda bien violent et on laisse plus de place au skill pour s'exprimer. Et quand on gagne une Star League en 2016, c'est qu'on pèse dans le game. Alors clairement énormément de skill autour de ce match. Messieurs, on en a parlé, donc Minimat, toi plutôt branché Dark sur ce coup-là? Moi je représente le Swarm, toujours. Ok. Ouais, Dark, je pense qu'il a ce qu'il faut pour l'emporter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une grosse paire de couilles. Oh! T'es quel qui pense direct au Bjorn? Bah c'est quand même des arguments de poids dans un match de StarCraft, le e-pénis, les Bjorn. Exactement. Après il faut arriver quand même à jouer avec sur le clavier, mais... CJ Antis Hero. Ouais, y a pas le cri. Ah non, c'est pour après le cri. On va attendre l'oreille. On va à droite. Effectivement. Ah merde, vas-y, mais quand même, on s'en fout. SK Telecom T1 Dark. Ah, moins violent que quelqu'un qui est parti dans le Tayjack Lab derrière là. Jack. Dark. Fais-moi le gars. Dark. Les groupies quoi. Non, et puis ça fait toujours plaisir le public parce que tu sens quand il y a de la passion et t'arrives de temps en temps, t'as le match comme il y avait à la SL genre la semaine dernière, t'as flash, t'en écoutes, ah ouais, ok, très bien. Très bien. Le mec qui pèse dans le game, et t'as l'applaudimètre, bien sûr. Oh, GSL supérieur SSL. Oh, les mecs qui viennent directement sur le stream. C'est ouais, c'est ça, genre... Ça y est, ça tourne. Des déclarations de guerre. Ouais, non mais la plus grosse déclaration de guerre c'est ça, c'est je te proxy à un pylône, toi. Hop,
chez toi, je viens te souiller dans tes eaux territoriales avant même que tu puisses les investir. Ah, la possibilité maximale, hein, puisque là, ah, du coup, ouais. Dark, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a, il a pas posé? Ah, d'accord, il va la poser là. Il a posé là, mais du coup, ça se retrouve être dans l'axe. Ouais. Il est pas au courant encore que son adversaire se trouve juste là, et du coup, ça va donner une game très très intense, Yago. Avec des bases, comme tu l'as dit, qui vont être très proches de facto. Ah, bah ça va être violent, ça va peut-être motiver Dark à passer à l'agression, genre en Zerling Banning, genre kicker la B3, ou utiliser ce petit espace pour venir dropper des Banning dans la ligne de sonde. C'est ce qui a fait son succès, et même si les joueurs s'y attendent désormais, bah quand tu le fais avec brio, avec 400, avec 500 d'APM, t'as toujours de quoi tuer de la sonde. Ou alors quand tu fais à Stefano, tu rush le plus de l'attaque, comme ça tu one-shot les sondes, et tu mets ton adversaire à zéro. Voilà. Pour ceux qui ont raté le puck contre Stefano, c'est l'un des matchs les plus excitants qu'on a eu de depuis ces voilà. Ouais. Enfin, qui ont été remplacés par le dimanche de la semaine dernière qui était absolument n'importe quoi, le shoot crafting. Ouais, ce qui sera du coup tous les mois. Oui. Produit par Total Biscuit. Également les replays accessibles sur le Twitch replay bien sûr pour les abonnés. Du coup, B2 posé, un espèce de... Merci Gauthier, tu veux dire. Et voilà, tout ça, Starcraft, l'agression. Regarde, le mec il fait... Je suis pas vu. Non mais si t'es vu, mais dégage, pour ma merde. Qu'est-ce que tu crois? Oh là. L'Overlord autruche. Je suis caché. Qui met le bout de sa patte dans un arbre. C'est ça. Tu ne bavas pas. Ok, il va se faire récupérer son gâteau, lui. Ok, on se fait défoncer. Oh, ça y est, speed over. Pour aller scouter, mais peut-être bien pour aller agresser aussi. Alors qu'on a le complexe, on dit, ah, est-ce qu'on n'aurait pas un retour du drop disrupteur? Ce serait sexy, parce que c'est comme ça, du coup. Comme je te disais, que Hiro l'avait emporté face à Dark en Pro League. Tu disruptes, voilà. Je disrupte, tu disruptes, tu disruptes ton. Et à la fin, il boule. Voilà. Il y a Bouboule, la fameuse. Et tu lui éclates la gueule, putain! Putain, cake for you, voilà, qui est là! Resub, 19 mois, blé! Ah non, mais. La bouboule, quoi, la fameuse bouboule. C'est ça, ça met un petit peu d'animation hein, dans les PVZ, le disruptor. Donc, nouvelle unité Legacy of the Void, voilà! Et toujours un peu étrange des fois quand les mecs oublient de gérer leur disrupteur, tu sais, ils se retrouvent en première ligne. Ouais, c'est ça le truc, ils balancent grosse boulette, mais en fait ils sont tout seuls devant et ils sont tués avant et c'est leur honte. L'échec. Oh non, c'est gênant. À un moment donné, il a perdu son disrupteur, ouais. J'ai pas du tout aimé. C'était frustrant. Bien sûr, non, c'est immortel. À l'ancienne, du côté de Chiro, elle est où la B3? Bah, y a pas de B3. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est chelou. Retour du 7 gate. Ouais. Autour du Seagate, oh, bon, c'est ça, le ghost, le fantôme de Parting habite. D'ailleurs, Parting que l'on retrouve bien évidemment la semaine prochaine en compagnie de Marine Lord. Ouais. Pour la. Que je n'ai jamais le nom. La GPL? Pour une autre compétition chinoise en tous les cas. Ah, est-ce que c'est on va bien s'amuser. Ouais, c'est ça, c'est GPL No Star League. C'est ça, Marine Lord et Petit Drogo qui seront dans la GPL, donc une compétition coréenne. Chinoise, pardon. Ouais, c'est trop beau, à l'ancienne. Oh là là. Et ce sera donc à partir de lundi, à partir de midi, tous les jours de la semaine. T'entends, Yogo? Oui, midi 18h, toujours. Toujours le même créneau. Lundi, dimanche, au dimanche, hein, bien sûr. 7 jours de GPL pour vos yeux ébahis. Ouais, avec donc Petit Drogo et Marie Lourdes. Et c'est parti, le go qui est envoyé avec du coup pas mal de gate en stack, Yogo. Il y a de la bête ferroviaire derrière, peut-être pour un. Ben, est-ce que ça pourrait pas être pour un all-in à l'ancienne, tu vois, où tu fais la transition avec du colosse pour un 2 base de l'infini, où est-ce qu'on aura le fameux disrupteur? Gros pêche, hein, 3 sentinelles, 2 immortels. Ouais. Oh, le pêche est réel, comme tu l'as dit. On vient scouter ici, pas encore la possibilité de renfort pour Hero, mais il va y aller, il va bourrer. Hero, qui est Maxi Show. Oh, le rigole. Absolument pas ce que j'avais dit. Et du coup. Il a paniqué, je pense. Il a vu l'over, il fait hey, drop. Non, en fait, ouais. C'est bon. Mais c'est pas dingue, parce que regarde le Zerg, il est là, on a unit. Ah bah non. Bah non, il est rentré chez lui. La feinte, passement jump sur le beat, jump plan. Et du coup, on va venir dropper des immortels. Attention, ça peut être dévastateur dans les bases de Dark. Dark ici avec un petit patelin de Zergling. Oh, tu défonces les. Mais c'est
complètement abusé ce qu'il est en train de nous faire, Hiro, là. C'est tellement bien vu. Tu prends deux queens, tu fais du disrupteur pendant ce temps-là. Et j'ai l'impression que Dark, il est perdu. En mode, je fais basse unit, mais elle me sert à rien parce que le gars, il est rentré chez lui et il arrase avec un prisme. Mais j'ai pas d'unité pour le gérer. C'est la galère. Faudrait peut-être même faire des spoilers, tu vois, genre des lignes de minerai. C'est ça. C'est fort baissé, là, direct. Et là, normalement, Dark, enfin, il pourra pas lui prendre ses immortels, la micro de héros qui est scandaleusement bas. Ok. Il va pas donner, il va donner que du bouclier, il va continuer à harasser les premiers disrupteurs, comme tu l'as dit, qui sont maintenant sur le terre-terre. Quoi ? Produit 2 par 2. Ok, l'Aspire pour se débarrasser du prisme transfert, c'est plutôt malin, jouer sur la contre-attaque aussi. On vérifie qu'il n'est pas de base caché, car un proto s'enferme sur de base, on se dit que peut-être il y a des choses. Et là, on voit le disrupteur, on fait calme, ça n'est pas d'été. Ah, et attention, parce que là, comme tu l'as dit, il a produit énormément de drones. Est-ce qu'il a suffisamment de troupes? Je ne sais pas. Bah, c'est un peu dégueulasse, hein, ce que possède Dark à l'heure actuelle. Mais bon, il a trop base. Il a une grosse capacité de production. Il a les drones. Là, s'il arrive à temporiser, il devrait pouvoir submerger le joueur Protoss. Oh, délit bouboule. Ok. Et c'est parti, le Tazali doit faire de la part de Dark, qui doit absolument, comme tu l'as dit, gagner du temps. Et on gagne du temps, mais pendant ce temps-là, les boulettes sont en train de... Ça, à chaque fois, ça fait mal, hein. Et... LOL, est-ce qu'il peut s'en sortir, la bouboule? Oh là là, le dégât sur la spine même qui fait tellement de dégâts. L'homme qui vient de prendre gratuit. C'est alors, ça. Et pour l'instant, on ne sacrifie que Zelot, hein, donc c'est très 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 bon pour Hiro, ça, le speed qui va servir pour les capables plus en attaque aussi. Est-ce que le break va être fait du côté de chez Hiro, parce qu'on va la sortir de viser pour plaisir. Oh, c'est parti. Et là, perdu un split ici, tentative en tout cas, mais le gros rip-pop de la part de Hiro. Dark qui tient pour le moment, mais comme tu l'as dit, qui est derrière la pop armée, qui est en train de se faire complètement submerger par la troupe de Hiro. Et qu'est-ce que c'est que ça? On espérait, tu vas voir, encore de la nouvelle méta du côté de chez Dark. Et non, ça vient du côté de chez Hiro. On ressort le CSG trop beau. Mais de version surboostée, version Legacy of the Void, c'est une grosse calme. Ok, le dernier split, mais il a pris tellement lourd déjà. Le joueur Protoss qui est devant la population armée qui continue à rip-hop. Hiro qui est en train de s'imposer dans cette première game. Dark qui n'a peut-être pas assez de technologie. Ah bah c'est ça, on l'a forcé à rester tirant. Boulette sur le prisme transfert qui est décalé. Finalement, c'était un gros bait, un gros appât. Et le disrupteur qui est donné, mais on s'en fout. Ça demande trop de micro, il y a un moment où tu es là, bon bah j'ai cliqué avec mes immortels et mon tracker, qu'est-ce que tu veux? Bon, il n'y a pas de blink, hein. Oh, ils sont trop forts. Ils montent la rampe, il y en a tellement plus rien à faire là. Ouais, c'est chaud, les drones qui sont sortis ici. Ça touche, ça connecte, mais les dégâts qui sont déjà bien trop vénères. On continue à rip-up du stalker et on est en train de le faire. Bah, il y a une grosse défense de Dark, ça me suffira pour... Oh non. On joue avec le prisme d'outre-cellu, on récupère les trackers, c'est la merde, on va déjà tuer 33 drones. Les drones bien énervés et tout en mode, moi aussi je peux faire du dégât, regarde, avec mes petites pinces, quick. Bah, c'est une sorte de crabe, hein. Exactement, mais bon, un immortel n'en a cure, personne n'est dupe, range tes pinces, tu ne sers à rien, tu te ridiculises. Et là on avait pris deux boulettes sur le prisme, non, on s'en fout, hein. Là il a lâché la micro, oula. Et Dark qui repousse. Mais il a perdu 50 drones. Sept drones. On est pas mal là. C'est bien là, c'est beau. Il s'est mis lourd là. Tu sais, c'est les drones qui sont pas morts parce que quand il a sélectionné, c'est ceux qui étaient planqués dans les gaz, hein, par chance. Oh putain, il va la jouer. Il joue le game. Dark, il y croit. Non, il y a du skill. Ça vient un peu tard, mais c'est joli. Du shield, hein. Bon, par contre, ouais, là, Hiro qui doit s'en vouloir d'avoir peut-être été un peu laxiste. Oh, regarde comment il vient le narguer en mode là, t'es mort, là, le Genie est volant. Y a même pas de queen. Oh merde, attention. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, oh, il vient de terminer au Mother Ship Core. Dur. Non, il rigole. Mais ouais, Hiro qui. Parce qu'Hiro va gagner cette game, hein. Y a pas un scénario où ça le fait pas. Mais en tout cas, il va y perdre du temps, tu vois. C'est-à-dire que là, normalement, s'il avait un peu moins fait le cake sur la micro à la fin, ouais. S'il avait un peu plus micro ses stalkers, il a juste continué à faire ce qu'il faisait avant, bah là, il aurait gagné. Donc ouais. Là, c'est... GG finalement. Oh là 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 là, il l'a complètement outplay. C'est une petite sortie qui ressemble à rien avec Sentinelle Immortel, genre le Zerg qui panique. On fait masse unit pour rien.
final t'as un Arras Prisme où tu peux rien y faire parce que t'as pas les bonnes unités. Et quand la Bob Protocell arrive, ben t'as pas assez pour soir. Mais c'est t'es parfait du côté de chez Hero. Bien exécuté, bon, jusqu'à la fin où on finit en mode Afrique. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était. Oula, là, il a la tête du mec qui s'est fait humilier, qui a bien compris que c'était dur. Moi, j'ai trouvé ça super swaggy de la part de Hero, parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, on fait un push à un moment avec les Sentry et les Immortels, et ça empêche le joueur Zerg de faire les unités qu'il veut. Sachant qu'à partir à peu près de ce moment-là, t'as Dark qui a posé la Spire. Et typiquement, ce genre de build de la part de Hero, où certes, t'as beaucoup de Stalker, mais t'as pas le bling dessus, si en face, surtout face à 15 mutas qui peuvent aller et venir entre tes bases, bah déjà que t'es sur une économie de base et en plus tu vas perdre tes probes, bah ton push il va perdre beaucoup plus vite du souffle et du coup le hold que Dark a tenté il est beaucoup plus vraisemblable. Alors que là, bah effectivement, Hero il a provoqué cette création d'unité, pas de muta, j'accumule des unités, snowball, morceau de glace directement dans ton œil gauche et tu meurs. Tu meurs. Exactement, il l'a terminé avec des glaces à Gendas. Voilà, c'est très très dur ce qui vient de se passer. Oula. CJ Hero qui donc mène dans ce match de l'enfer, PO3 s'il en est, donc premier à 2 points. Et en bas à droite de la map, Hugo. Player. SK Telecom T1, Dark. Vas-y, Vidiva, désolé, on t'a coupé. Est-ce que tu as un mot sur le dernier match? Non, en fait, c'était une super adaptation en fait, de Hero parce que en fait. Là où Dark il change un petit peu, c'est qu'il fait un overspeed. Donc il arrive en fait, il arrive à scouter le BO de son adversaire. Ça veut dire que c'est trop beau. Allez, big up! Dédicaceux! Il soutient CJ, allez! Bah ouais, j'avoue, il a le speed over et tout. En fait, il a le speed over, en fait, il scoute le set get robot. Et là où il est très fort, Hero, c'est qu'en tuant l'over, il change direct. Il a compris que de toute façon, son push allait pas passer et que le Zerg allait réagir. Donc, du coup, pendant qu'il tue l'over, il commence à faire son push. Il balance les deux gaz, il pose la deuxième robot et la robotics bay et il part sur disrupteur. Et voilà, après, comme l'a dit Tekel, le mec en face, il a fait des units, il a pas de tech assez rapidement pour défendre cette technologie du Protoss et le push de Hero est fatal derrière quoi. C'est ça. Mais revenons au move 2. Pénible. Yogo qui ne valide pas du tout. Hein, non mais déjà lui fait la game d'après. Alors je dirais quand même, je sais pas ce que t'en penses Pénimat, mais est-ce que c'est pas à ce niveau de jeu, est-ce que c'est pas du newbisme de se faire arnaquer par ça? Tu vois les Européens ils font toujours B2 sur B3 par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense surtout qu'il s'est inspiré de certains protos européens ou même français qui font ça de temps en temps. qui se sont dit ils peuvent pas prendre en macro game, donc je vais delay toutes tes bases et après on verra si t'arrives à me battre alors que t'as qu'une hatch quoi. Ah ouais, non mais ça, ouais, genre Cripsail par exemple quoi. Ouais, voilà, ouais. Cripsail, il est pas le seul, mais bon, c'est sûr. Mais Hero, voilà, il dit moi je te prends. Je te prends au sérieux quoi, je sais que t'es quand même fort en macro game, donc voilà, aujourd'hui je te mets des pylônes dans tes bases et essaye de macro. Oh merde. Moi je trouve que c'est un peu le truc du newbie, enfin je sais pas parce que les mecs ils sont infiniment meilleurs que moi, mais genre ça fait 6 mois que, enfin je sais pas, ça fait des années que tu te fais arnaquer par ça. Alors t'as des petits mots à la Stéphano, genre tu planques la sonde sur le côté, mais bon quand le proto s'il check un peu loin il peut devoir venir. Ou alors tu entre se faire bloquer par deux pylônes et genre tu fais ta hatch genre à 15, tu vois, ça te coûte cher, c'est chiant, mais ça te coûte moins cher que de te faire bloquer de double hatch. C'est, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut souvent jouer avec la probe énormément de l'adversaire, tu sais. Bah ouais. Et t'arrives, tu vois qu'il est là, tu commences à partir sur la B3, donc lui, s'il est réactif, il part sur ta B3 aussi. Et t'as un deuxième pro. Tu lui fais un petit droite-gauche, tu reviens dans la B2. S'il a pas posé de pylône dans la B2, il suffit qu'il soit une demi-seconde en retard et tu peux poser ta hatch. Après, ça reste. Voilà, ça reste un move swaggy quand même, hein. Faut être. Ça reste un move qui en fait dépend surtout de la réactivité de ton adversaire et pas de est-ce que tu vas bien l'exécuter ou pas quoi. Est-ce que tu vas le jambon ou pas? C'est qui va jambonner l'autre quoi. Donc, tu lances une pièce et t'attends de voir ce qui t'as pas forcément envie de voir de faire quand t'es en train de jouer à StarCraft. Ouais, et là regarde, ça fait vomir. Hein. Yogo qui est pas bien, là, si vous le voyez. Ah ouais, si vous le voyez. Non mais franchement, à ce niveau de jeu là, se faire arnaquer sur un truc comme ça, ça me fout la gerbe quand même. Hein. Enfin, c'est. Comme lui, les mecs sont 100 fois meilleurs que moi, mais. Ça fout tellement fou. Bah même, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Et il a dit ce qu'il fallait faire, Minimat. Il est pas bien véloce, Minimat, mais il arrive à Complètement. C'est. Tu sais, Dark, il a. Oh là là, ce monsieur sur Ring Banning, ce monsieur les 500 d'APM, le multitask. L'autre, il arrive.
Et je te bloque Touch, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as pas de sous. Le Zerg qui parle à l'intérieur de Yogo. Un jour on les aura, t'inquiète pas. Mais non. Du coup voilà, quelques Zerglings qui ont été produits, et clairement Retaliation. Ouh. Sur cette ouais. Adepte. Bien fait, bien fait, bien fait. Ah là, voilà, vengeance, vengeance. Voilà. Fais-lui du mal. Oh, dommage. Putain, d'unité volante à 5 minutes de game. La haine infinie. Non, 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 mais en tout cas, on a gagné beaucoup de temps sur ce Nexus. Très bonne opération de la part de Dark, qui en plus de récupérer l'adepte, il gagne un bon 30 secondes sur le Nexus. Voilà, c'est ce dont il avait besoin pour récupérer les petites pertes du début de partie. Maintenant, on a Phoenix dans le game, ce qui est, voilà, ce qui est classique. Ce qui est classique. Tôt ou tard, il y aura des Phoenix dans les airs ici. Et un push quand même qui peut faire peur, hein, là, quelques adeptes, plus ce Phoenix. Attention à ne pas laisser tomber eh bien la chaussette sale, comme on dit en Corée évidemment. Quoi ? Et ce qui veut donc dire, fais gaffe au Phoenix. Ouais. Poulet. Poulet, bien sûr. Et comment on dit poulet en coréen ? Chicken maru, non ? Chicken. Ok. Non, je n'ai aucune foutre idée. Toi qui as fait du. Bah ouais, c'est ça. Vas-y, Minimat. Envoie le wisdom. Envoie le Google Traduction, la TKL, ça y est, il a le téléphone. Run by. Pendant que Minimat fait appel à un ami, t'as le droit d'appeler quelqu'un si tu veux. Hein. Il appelle TKL. Ouais, un petit Google Translate et on aura très rapidement l'info. Double robot qui est positionné pour le bon héros. Ouais, donc pour l'instant tout va bien, tout est bien classique, le joueur Zerg qui est en train de se lancer. On est aidé hein, par les Queens qui désormais ont un peu plus de portée pour défendre les Phoenix. C'est bien évidemment plus facile, plus agréable. On maintient la pression entre les bases pour essayer de choper les sondes qui passeraient de l'une à l'autre. Petit drap peut-être en prévision. Alors poulet en coréen. Vas-y. Ça a l'air de dire dalg. 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 Ah, appuie sur le bouton pour que ça fasse du son et qu'on soit sûr, parce que sinon c'est chaud quoi. Il y a un bouton qui fait ça. What the fuck? Peut-être tu l'as en. T'es en vocal, tu vois. Ça c'est pas le cri du coq, non? Ok. Donc poulet en coréen, voilà. D-A-L-G, hein, en occidental. Ok, très bien. Ok, on revient sur l'idée, le drop. Ok, le swing, oh, faut pas qu'il le chope par contre. Non. Il s'est connu. Les queens. Oh là là là. The A-Team. Oh, il est policé. Il est tellement cool. Ah, j'avoue. Faut pas les perdre, par contre. Ok, le go qui revient sur la part de Dark. Ici, on va venir faire du légal. Les queens qui sont complètement héliportés sur le front. Et c'est un peu révolutionnaire parce que je suis en train de voir là mon bon Yogo, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça. Non, les Queens, surtout contre les Phoenix. Ok. En fait c'est pas mal parce que ça abat les Phoenix. Le heal. Non. Dommage. Ouais, par contre j'ai réussi à choper les meurtres ici. Bulle dans le dos du sommaire qui survit. Les Queens sur l'action derrière, on balance le tir. On peut peut-être s'en retourner pour aller péter cette troisième base. Le push qui fait peur, il y a beaucoup de Queens ici. Et assez peu d'unités technologiques pour héros qui va du coup concéder probablement ce Nexus. Okay. Tentative de surround, on y va pas. On balance les bulles. Connecte pas. Mm-hmm. Mais là il faut les sauver, là il faut gagner parce que la retraite n'est plus possible. Ah là 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 là, Hiro qui est en train de repousser sans trop de problèmes. Les Queens qui sont isolées, qui vont tomber. C'est ça, on n'a pas réussi à péter la B3, ce qui était le minimum à faire avec cette intervention. On a réussi tout de même à gratter 5 sondes ici, c'était cool. Peut-être qu'avec les Zerglings supplémentaires, on pourrait changer la donne de cette game. Bien sûr, oh là 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 là, la compo d'Hiro, on a Massimo. Oh là là, il y a trop d'Imo là, c'est pas réglementaire. Hein. Ah, il y a déjà, il va y avoir 6 immortels. Attention, et là Dark en plus qui est toujours un peu en full nudité sur la technologie. Il a ses 55 drones, c'est peut-être pas assez. Et surtout, il a pas encore transitionné. On n'a pas de lurker, on n'a pas de. Oh. Le bataille Dark qui vient d'être positionné. Termine ta lecture, putain! Frustration! Yogo, comment on va faire? Est-ce qu'on va tenir cette game jusqu'au bout, Yogo? Bah, il va falloir jouer sur la contre-attaque. Hein, mais avec le pylône et le noyau des sauveurs qui défendent, ça va être compliqué. On est là, vas-y, fais demi-tour, regarde, je suis chez toi! Regarde! Qu'est-ce que tu veux? F2 back! Oh non, on est en train
qu'on arrive sur le B4 hein, qui va être abandonné. Hein. On ne produit même absolument rien de cette larme. On sait que c'est la BR, les Phoenix sont en train de les prendre. Un capard derrière, on produit de l'unité. On a du drone, on n'a pas beaucoup d'unité, mais c'est pas mal. Dark ici, par magie, arrive à temporiser. Pourrait faire des choses, Krana. C'est chaud, là. Il a du tech, il a de l'écho, il a juste pas d'unit. Mais ouais. Les units, ça arrive, tu vois. C'est... Ouais, ouais. Bah, et c'est ce qu'on se disait à la partie précédente. Attention, attention, Dark est quand même dans une meilleure position. Tu peux les casser, prêt. Envoie la bille, putain. Voilà, la bille qui est envoyée, qui va ouvrir deux par plus très joliment fait. Oula. Oh, il a piégé. Oh, le piège. Oh, le piège. Est-ce qu'il s'est pas enfermé? Il s'est complètement enfermé. Attention, le go qui est envoyé ici. Dark qui va tout donner. Maintenant, il est forcé de prendre les piles. Oh, on a perdu. On a tué le prisme. C'est pas mal. Les ADF qui ont fait le tour finalement, genre en mode OZF pour regrouper ici. C'est genre le roller coaster. Allez, on monte en haut. On fait le tour niquet. Ouais, ce qui est assez. Beaucoup d'ADF qui sont en train d'être morphés pour en tant que frère en shade. Tu peux aller dans la mail. Attention, les drones qui sont envoyés. Ça... Oh Il en a cul. LOL 29 drones au là. Tapis là. Alors il va donner tout hein. Oh là. Il va tout donner là. Il n'y a plus que des... Comment? Attends, c'est pas fini hein. C'est pas fini hein. Oh putain. S'il la perd. S'il la perd, moi je rigole. Est-ce que c'est pas le gigastro? Non, parce que derrière il y en avait 3 qui ont sursis. 26 drones contre 39. Genre c'est pas... Alors c'est là pas génial. Je rigole plus hein. Et il a passé pour Dark, il a repassé on pour met à la pop. Oh, regarde, il a rien comme pop, yo. Il a rien, il a que dalle. On a le double chez le joueur Zeri. Alors là... Oh, regarde, regarde, il donne les autres aussi. Ah, yo. Qui c'est Ah, t'as fait le malin, yo. Oh, merde. Ok, maintenant c'est Dark, t'as pas gagné. Il faut absolument qu'il aille 5-7 et 7-3ème base. C'est possible, il faut y aller maintenant. Il va avec ses quelques roaches. Oui, Limo. Limo. Oula, ça descend vite. Ok. Bon, ça va pas faire de dégâts. Ça c'est pas génial, mais on vient prendre quelques sons. C'est cool, ça permet de rééquilibrer un poil l'économie. On a le plus d'attaque qui est lancé. Le joueur Zir qui n'a pas dit sur un niveau. Pourquoi il n'y est pas allé avec tout, c'est de l'acquisition. Pourquoi il lance? Il voulait tellement danser les immortels qu'il l'a fait, mais genre avant la fin de la fight, au début de la fight. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est tendu. Après, il a toujours une meilleure économie. Bah ouais. On est en train de remonter à la pop armée pour le joueur. Et maintenant, on a de quoi faire des Hydra, Yogo. Attention, oui, la prochaine fight ne sera clairement pas sous le même auspice. Ah ben, complètement. Et là, on a le tech qui est en train de dev. On remet un petit poil le creep. Alors, c'est vrai qu'on est sur un 3 bases contre 3 bases, mais... il y a eu de grosses déconnades, hein, clairement, là. Bien sûr, mais tant psychosiaque, on n'est pas prosergue. De quoi parles-tu? Non, mais il y a un mec qui dans Shimmer. Moi, j'aime bien les Protoss. Oui, mais moi, nous, on t'aime pas. Hein, clairement, la protosserie est sur le canapé. Ah, c'est ça, d'envoyer un protoss pour 3 heures. Donc là, t'es lequel, n'a pas son mot à dire. Ouais. Voilà. 25%, c'est bien quand même. Ah, c'est bien. On soulève pas la majorité, donc elle n'a pas son mot, mais... c'est toujours mieux que le taux de terrain dans le plateau, quoi. Ah oui, bien sûr, non, mais parce qu'il n'est pas là. Hein. Ouais, voilà. Puis voilà, c'est... Clairement, on a pas besoin d'en avoir sur le plateau pour les entendre parler. Il voit qu'ils sont sur le chat, hein, de toute façon. Oh là 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 là. Du coup, cette game, les Phoenix, ils vont continuer à prélever boire des drones, boire des overs. Maintenant, il faut gagner, Hero. Hero, bah, t'as joué, maintenant, il faut gagner. Oh, c'est la honte, hein. Même si tu gagnes la game, c'est un peu la honte, hein. Tu t'es foutu dans le... Ouais. T'es en Corée où t'as des joueurs qui vont en prison pour match fix et tout ça, et pendant ce temps-là, il y a un mec qui danse et, qui danse avec ses GT, qui file et la game. Finit pas la game. Genre là, tu imagines la police, tu dois être comment. Arrêtez cette personne tout de suite. Retirez-lui son kimchi. Non mais t'imagines le drame, quoi. Ah bah là, c'est exécution. Non mais t'es obligé de te faire inspecter si tu perds la game après avoir dansé tes immortels. Oh, tu sais, non mais j'ai mal calculé. Ah bah là. Ah, tu veux dire que les mecs pourraient penser que c'était un match fixe? Ah bah, enfin, je sais pas. Je pense que les mecs sont obligés de regarder. Ou allez le swear, Sir Tio. Ah, j'avoue, c'est pas con. Hein, il y a tellement de problèmes en Corée, tu sais. C'est le mec qui match fixe. Le truc comme le moins discret du monde, quoi. Non mais plus c'est gros, plus ça passe, c'est le principe. Ouais. Ah bah, non mais je voulais juste lancer les unités, je voulais pas feed. Le climat ambiant effectivement donne encore plus de saveur à cette blague. Oui, c'est ça. Et du coup on a combien 13 Hydralisk pour Dark
il faudrait peut-être des lurkers. J'aimerais bien voir des lurkers quand même. Voilà. Ah, ça arrive, ça arrive. Lurker Den qui a envoyé de la part de Dark. On ne lâche rien. On ne lâche rien du tout. La défense qui est popée, 10 drones, vous avez vu dans la barre de production. On va jouer cette game sur la durée. On va tout donner. Pas question d'abandonner. Attention, la fight ici qui peut être décisive. Prisme. Oh, la Batus qui a permis de gagner pas mal de temps. La Storm est en train d'arriver. La Storm, elle va se faire Concave quand même. Concave. Péta Concave. Yeah. La Concave est payée. Ok, on y va pas. La Storm qui est là. Et bon. Ok, il y va. J'ai peur quand même. Avec les Phoenix en follow sur les immos parce que c'est trop dur de gérer avec du groupe de contrôle, hein, bien et sûr. Et deux petits Benlings en production. Ils sont où ces Benlings, regarde, Hugo. Faut essayer de pas les rater. Attends, ils sont pas dans la base. Ah ouais, c'est là. Deux Benlings les plus random de l'histoire. Ils auraient été. On est là pour le run-by au Templier. Attends. Blague à part les. Blague à part les Benlings, mec, ils vont pas. Ah non, ils vont pas aller sur le Templier. Ils vont. Si. Ok, la prise de fight qui a eu lieu ici. 140 de balles, strictement des deux côtés. Le joueur proto. Oh, le prisme! Il a redonné le prisme, il a fini. Mais là, les immortels vont faire beaucoup de dommages avec les Phoenix qui sont dans les drones. Oui, qui sont repoulés de belles fois. Les drones sont sortis, on a encore deux storms. Dark est en train de prendre lourd. 111 de balles, 114. On n'a pas les lurkers. On a 14 roach en production pour le joueur Zerg. Ça ne passe pas pour Dark, pour Hero, mais il est devant au niveau de la population, mais effectivement, on n'a pas encore fait le break. Les Hauts Templiers qui n'ont plus l'énergie nécessaire pour stormer, si, quoique, c'est en train d'arriver. Putain. Voilà, 3 lurkers en production, allez. Il lui faut encore 15 secondes. Niculops, là tempo. Il est où, l'Ops? Il est là. Cette game qui va se jouer à un clic d'Ops, là. Sur un Ops. Foulu là-haut. Merde, il est en train de taquer Caillou. Ok. Ah, y'a pas de ça. Il a fait tout dans la gueule. Les lurkers qui sont maintenant positionnés et qui sont en train de déverser leur DPS. Est-ce que ça va super les stars? Encore sur le lurker du sang. GG. Oh là. Ah, bon call de la part de Tikelu. Seul qui avait misé sur Hero. Hero Fighting. Hero Fighting. Il s'est fait peur. Ah, c'était dur parce que on a failli revenir. Et franchement, bon, il est dans la merde à la fin, mais Hero il engage pile au moment où l'autre est en train de péter le caillou. Ses trois lurkers se terminent. Si genre il attaque pas le caillou, qui est à la bonne concave, les trois lurkers sont sous terre parce qu'il aurait pu le faire. Est-ce que ça rallonge pas encore l'interaction? La fight aurait peut-être été un peu plus douloureuse, mais je pense qu'il l'emporte au final. Il y avait vraiment pas une masse critique de lurker sur le coup. Ouais. Et puis après, les Storms ils avaient fait un excellent taf. Les Phoenix aussi au niveau des Hydra, donc le DPS était très réduit pour Hero. Mais moi j'ai une théorie quand même. C'est que Hero, il a fait un slash dance parce qu'il avait pas envie de gagner 2x2-0 en moins de 30 minutes, tu vois. Ah, peut-être. Il s'est dit, écoutez, production value, on fait une émission qui a une durée normale, on fait un slash dance. Voilà, il voulait pas trop, mais il savait qu'il allait survivre, qu'il allait gagner. Oh, parce que c'est le pouvoir de l'assassin souriant. Oui. Exactement. C'est l'entertainment sur le ring. Bien sûr. Théorie, TKL. Il y a surtout qui peut les sortir. Des belles théories finies à la pisse. C'est ça. C'est un gentleman, je pense qu'on peut. Ouais. Non, mais c'était une bonne game. Mais franchement, je suis un peu frustré de cette last fight. Parce qu'effectivement, le mec, il a Bassimo et les Phoenix, mais t'as un Ops. Quand tu mets genre le spoiler devant l'Ops, là, que le mec il arrive, tu le snipes comme un newbie sur l'observateur et tout d'un coup, il y a de l'arqueur, tu fais des choses. Bref, de toute façon, il était quand même bien devant Hero, il a juste déconné avec le slash dance, donc c'est un peu normal que la game lui revienne. 2-0, le mec 4-0 dans son groupe, vraiment intéressant parce que même si on connaît tout le talent de Hero, il y a eu des hauts et des bas sur Legacy of the Void et là on est clairement sur un pic. Ouais, c'était cool. Et maintenant, on va arriver sur un match qui s'annonce serré. Hurricane Departure, très difficile à pronostiquer. Regarde pas, moi je. Ouais, non, je suis en train de réfléchir parce que. Ok, tu te rends. Non, pas moi. On lance la pièce. C'est pas toi, pense quoi, Yata, Hurricane Departure? Toi qui. Toi, t'es le résultat, donc d'accord, bon, merci. Ok. T'aurais pu dire un truc. Spoiler alert. Philippe Gildas, hein? Spoiler. Très bien. Du coup, on va réfléchir à ces pronostics, mon bon Yogo. Oui. Et on va faire un peu de tir, hein, tout simplement, comme on fait évidemment à chaque. Pas du tout sous pression. À chaque. À chaque pause. Hein. Tu te remets dans le bain parce que de toute façon, les prochaines missions Nova arrivent. Donc voilà, faut être dans le mood. Exactement, ça va jouer ce soir. Non, c'est le 3.
C'est le 3. Donc c'est la semaine prochaine. Très bien. Lancement, Nova. La pub.